Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 190. Aujourd'hui, on va parler des vélos du peloton utilisés sur les routes terribles des classiques. On va parler aussi des nouveautés et des actualités, ainsi que des résultats. Allez, on y va! Donc, historiquement, les marques multipliaient les tests et les innovations techniques pour pouvoir créer des vélos plus rapides sur les pavés ou voire même sur les routes en mauvais état. C'est pour ça qu'en 1995, on avait vu l'ancêtre des gravels avec la fourche suspendue sur le vélo de Gilbert Duclos-Lassalle. Mais en 2024, où en sommes-nous? Est-ce que pour Paris-Roubaix, pour les Strade Bianche, voire même pour le Tour des Flandres, est-ce qu'il y a vraiment des innovations qui sortent du commun? On est parti directement dans les paddocks pour faire le tour un peu des vélos et voir si on a déniché des petites innovations. Première innovation, on va quand même vous faire un sourire hein, car on a vu le retour des boyaux et surtout sur le vélo de Mats Pedersen sur le Grand Prix E3. En fait, on l'a vu utiliser les roues Brontrager avec des boyaux de la marque Pirelli, des boyaux mesurés en 30 mm, alors qu'officiellement sur le site de Pirelli, il n'y a uniquement du 28 mm. Donc, est-ce qu'il continue à fabriquer des prototypes pour les équipes World Tour? On a vu aussi des boyaux sur deux coureuses de l'équipe Liv Jayko Alula. Donc, le retour des boyaux, c'est quand même assez étonnant en 2024, mais comme quoi, ça marche. On a vu aussi des potences très très longues, notamment sur l'équipe Uno X avec leur vélo, les Dar. On a vu des potences de 160 mm montées avec des cintres aéro de la marque AeroCoach, la marque anglaise spécialisée dans les pièces aéro. C'est quand même assez déroutant. On a vu aussi des longues potences de la marque FSA sur l'équipe IF Education, IF Education First, avec des potences encore une fois de 150 mm. Je ne sais pas si vous imaginez la longueur de la potence. Peut-être que d'avoir des potences aussi longues rajoute un peu de flexibilité. Mais on n'oublie pas que c'est des pivots carbone sur les vélos à l'heure actuelle avec des expandeurs à l'intérieur. Donc théoriquement, ça ne risque rien pour la casse. Et puis de toute façon, tout est testé. Mais c'est vrai que ça commence à faire un long bras de levier sur le pivot de fourche. Bon, la vraie évolution sur tous les coureurs et globalement sur toutes les équipes cette année est... la tendance actuelle de ces dernières années est de mettre des pneus de plus en plus gros. Et quand je vous dis de plus en plus gros, c'est globalement les coureurs se divisent entre de 28 mm à 32 mm sur les pneus, tout ça pour rouler à 45 km/h. C'est quand même assez impressionnant. Certaines personnes disent que les gros pneus font baisser les moyennes et juste pour améliorer le confort. Bon, visiblement, ça gêne pas énormément les coureurs. Donc, on a vu dans ces gros pneus des pneus prototypes de chez Pirelli, équipés la Lidl Trek. Bon, c'est directement des pneus prototypes, c'est le nom prototype. On les a vus, c'est des Pirelli en 30 mm. Et on a fait des recherches. Ils utilisent des pressions dans ces pneus entre 4,6 bars et 5,4 bars. Ou 68 et 78 PSI, donc on est vraiment sur des pressions assez basses, mais du fait du galbe du pneu, et parce que les pneus en 30 mm de chez Pirelli sont quand même assez gros, ça permet de garder de la performance et du confort. Chez Ineos, on roule aussi avec des gros pneus, avec les Continental GP5000S en 32 mm ce coup-ci. C'est quand même des gros pneus pour Top Peacock. Encore dans les gros pneus, on a vu sur les Villiers, de l'équipe Astana, des pneus Vittoria Corsa en 32 mm. Il me semble que c'était les mêmes qu'utilisait Mathieu Van Der Poel l'an dernier sur son Canyon Aérode. Donc 32 mm, finalement, nous, on ne peut pas se plaindre d'avoir des pertes de performance, sachant que les coureurs arrivent à rouler à des vitesses aussi folles sur les courses. Et comme quoi, ça absorbe vraiment les chocs. Donc c'est quand même assez intéressant de les voir rouler avec des pneus aussi gros. Et notamment quand on parle d'absorption de choc, dans le passé, sur les classiques, on pensait les coureurs utiliser des roues à faible profil pour pouvoir avoir de la flexion et de l'absorption de choc au niveau des pavés pour éviter que ça remonte directement dans le cadre. On a profité de notre visite dans les paddocks pour aller voir les Envy mêlés de l'équipe Total Energy avec leur paire de roues Envy SES 6.7. Donc je vous rappelle, c'est un profil de 67 mm à l'arrière pour un profil de 60 mm à l'avant. Donc quasiment 70 mm de profil sur une roue arrière, ça commence à faire vraiment énorme. Et visiblement, on pourrait penser que ces roues sont quand même assez lourdes. Elles font 1,490 kg. Donc on est quand même sur un poids très très correct pour la marque de roue américaine.
On a vu aussi une nouvelle selle imprimée 3D de chez Specialized, chez S-Works, après la Power, après la Phenon. On a encore ce nouveau modèle qui est quand même assez long, mais on voit avec différentes textures au niveau de l'absorption des chocs. C'est assez intéressant à voir et c'est ce genre de nouveautés qui sont agréables à voir. Par contre, on a vu que la Soudal Quickstep utilisait le Specialized S-Works Tarmac. Et dans le Roubaix, pour l'instant, on verra prochainement en Roubaix s'ils reprennent justement le vélo du nom. Mais globalement, on voit uniquement des vélos classiques sur ces premières classiques de l'année et pas de vélos spécifiquement souples. C'est ça vraiment l'actualité en ce moment. Et pour finir, dans cette recherche de gains marginaux, on félicite Ineos qui généralise l'utilisation de leur nouveau casque de la marque Casque avec les cache-oreilles. En fait, c'est un casque quasiment de chrono. On avait déjà vu celui de POC utilisé par Education First se généraliser. Là, c'est celui qu'on avait aperçu sur la tête de Filippo Ganna au début de l'année qui se généralise. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Je trouve quand même assez esthétique ce casque. Mais pourquoi pas, à voir si ça ne touche pas les oreilles, si ça fait pas mal aux oreilles sur des longues distances. Donc voilà, c'était les petits détails techniques qu'on a pu apercevoir sur ce début de saison de classique sur les différents vélos des coureurs. Donc globalement, on retient que ce sont des vélos toujours plus aéro avec des gros pneus et des boyaux qui reviennent. C'est quand même assez étonnant. On peut passer maintenant aux nouveautés. Et dans les nouveautés cette semaine, on a Wahoo qui lance une mise à jour pour leur compteur existant, le Roam et le Bolt. Une mise à jour qui est disponible gratuitement directement sur l'application. Et cette mise à jour consiste à pouvoir piloter depuis son compteur la musique. Potentiellement, dans le futur, on va pouvoir commander une GoPro directement depuis le compteur. Ils ont amélioré aussi l'écran dark pour le mode sombre, on va dire, lorsque la luminosité est assez faible. Donc, c'est un peu plus lisible. Et ce qui est bien, c'est qu'ils le mettent à disposition de tout le monde. Pas besoin d'acheter un nouveau compteur pour avoir cette mise à jour. C'est un upgrade, on va dire, des compteurs existants. On pourra tous en profiter à partir de cette semaine. Côté news, au niveau des coureurs, au niveau du peloton cette semaine, on a appris que Arnaud Démare est encore malade et va devoir rester à soigner ce virus pendant encore quelques semaines. Il sera pas présent du coup pour le Tour des Flandres, pour le GP de l'Escaut et pour Paris-Roubaix pour l'instant. Et cas identique pour Christophe Laporte, en espérant que lui soit dispo pour Paris-Roubaix. Il est absent à travers les Flandres la semaine dernière, ainsi que du Tour des Flandres qui vient de passer. Donc dans les news aussi, on a eu la terrible chute sur à travers les Flandres qui a mis à terre énormément de leaders, et notamment Jasper Stuyven, Wout Van Aert et Mats Pedersen. Et pour Stuyven et pour Van Aert, c'est clavicule cassée. Wout Van Aert s'est même cassé des côtes dans cette terrible chute à plus de 60 km/h. Donc c'est un peu une saison foutue pour Wout Van Aert, en espérant qu'il puisse revenir le plus vite possible et en pleine forme. Mais lui qui s'était entraîné pour remporter le Tour des Flandres notamment et de faire une énorme course sur le Giro en changeant sa préparation, c'est quand même une terrible nouvelle pour lui. On passe maintenant aux résultats, et pour cause de lundi de Pâques, cette émission a été filmée en avance et donc on n'a pas les résultats du Tour des Flandres, mais je vous rassure, j'en parlerai dès la semaine prochaine. Mais on avait quand même la course de à travers les Flandres qui a vu donc cette terrible chute avec Wout Van Aert et qui a vu aussi son coéquipier Matteo Jorgensen remporter la course avec une belle stratégie de la Visma Lease Bike qui ont maîtrisé la course après ce temps mort suite à l'accident et la perte de pas mal de leaders. Mais ils ont remporté la course, ils n'ont pas aussi fait la fête que ce qu'ils avaient prévu. Mais c'est une belle victoire de Matteo Jorgensen. On note aussi la troisième place de Stephen Kung de la Groupama FDJ. Et chez les femmes maintenant, sur à travers les Flandres, c'est Marianne Vos qui remporte la course, et toujours de la Visma Lease Bike. Maintenant, on passe à votre activité Strava de la semaine avec le hashtag GCN Show.
Et là, c'est Hugo qui nous a envoyé sa sortie longue du week-end de 102 km du côté de Balmes-les-Grottes en Isère et avec un petit bonhomme content. Donc ça fait plaisir de voir des longues sorties et que les gens prennent du plaisir. Donc félicitations Hugo et je te dis qu'à la prochaine, on continue à nous envoyer tes activités. Ça fait toujours plaisir d'encourager tout le monde. Voilà, donc en tous les cas, moi pour ce GCN Show numéro 190, j'ai terminé. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur GCN en français. Ciao, ciao!